faut pas aller là-bas. C'est un hold-up, un travail de longue haleine. Vous avez vu qu'on est resté debout tous les 90 minutes pour pousser les enfants parce que le canon, tactiquement, ils étaient assis. Il fallait fermer les intervalles et je crois que le meilleur a été pour nous. On a eu ces deux ballons et on les a mis au fond. Je crois que le mérite revient aux enfants. Alors, à la fin, on va dire aussi que la victoire vient du banc de touche. 4 minutes après l'entrée de cet attaquant, vous lui avez certainement donné quelques conseils. Tout à fait, je lui ai demandé de continuer à presser. Vous voyez que le premier but, il a pressé. Il allait jusqu'au bout de l'effort et il a marqué son but. Parce que nous avons eu à travailler ça pendant l'entraînement, parce que nous savons que le gardien de canon ne joue pas bien du pied. C'est pour ça que nous avons mis ce pressing en marche. Et je crois qu'il n'a fait que respecter les consignes qu'on lui a données avant d'entrer. Et le voilà qui marque un but. C'était un match particulier pour vous aujourd'hui, ancien joueur de canon, entraîneur là-bas. Et puis vous avez des tactiques anciennes.
ancien gardien, vous avez donné des consignes sur le gardien du canon. Oui, bon, c'est vrai, ce n'est pas un match, il n'y avait pas une vengeance. Moi, je crois que c'est un match de football parce que c'est d'abord un jeu. Bon, nous avons juste travaillé parce que nous sommes au creux de la vague. Il faut bien qu'on sorte la tête de l'eau et c'est pour ça que nous, on a essayé de travailler. Déjà que ça nous manquait beaucoup. Je crois que ça fait plaisir aux enfants et à tous les supporters de UMS. Un mot sur le canon. Très bonne équipe. Je vous dis que si on n'avait pas travaillé tactiquement, je ne crois pas qu'on serait arrivé parce que tactiquement, le canon est assis et je ne vous manque pas, ils font de très bonnes choses. Moi, je n'ai rien à dire à l'arbitre. Vous savez que moi, je ne parle pas généralement aux arbitres. Moi, c'est un match qui se joue et moi, je m'occupe de mon équipe et le reste, si on peut gagner, on gagne. Si on perd, on perd. Mais je crois que je ne m'occupe pas beaucoup des arbitres. Je ne m'attarde pas beaucoup sur les arbitres. Le coach.